à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo bonus qui m'a été demandée par Caro. Hein. Désolée, hein, Caro, je balance. Par une petite vidéo bonus qui m'a été demandée par Caro. Donc, pour vous présenter ma palle de mai. Alors, ma palle, c'est un bien grand mot. C'est plutôt les livres que j'ai envie de lire pendant mes vacances. On va dire ça, une prévision de livres que je compte lire pendant mes vacances. Alors, vous allez me dire, selon tous les livres que je vais vous présenter, que c'est peut-être un tout petit peu ambitieux. C'est pas faux. C'est pas faux, mais voilà, j'ai envie, je pars pour 15 jours, mais on n'est pas à l'abri que ces prévisions de lecture débordent jusqu'à fin mai. Donc, on va dire que c'est la palle de mai, on va dire, grosso plein d'eau. Les livres que je compte lire pendant mes vacances vont être exclusivement des e-books, parce que ceci est quand même l'accessoire indispensable pour partir en vacances. Bon, outre les maillots de bain, tongs, crème solaire, lunettes de soleil et compagnie. Mais voilà, ceci m'allège considérablement mes bagages. Et autant vous dire que, elle va être de sortie pendant ces 15 jours. Donc, je vais commencer tout de suite cette palle de prévision livresque avec le premier. Il s'agit de La Régulation de Gaëlle Perrin-Guillet qui sort le 17 mai aux éditions Outre-Fleuve. Je vous mettrai la petite vignette ici. Donc, de quoi ça parle? Je vais vous lire la quatrième de couve. Une enclave entourée de murs abrite les survivants d'un cataclysme. Coupés du monde, ils vivent en autarcie dans une société gérée par les 10, des mystérieux dirigeants que personne ne voit en dehors des écrans qui tapissent les murs de la ville. Donc, afin de ne pas surpeupler ces fameux enclaves, les 10 ont mis en place un système qui s'appelle la régulation. 8 régulateurs qui reçoivent une liste de 4 noms. 4 personnes à abattre sans se faire tuer à son tour. Car devenir régulateur, c'est voir son nom affiché sur une autre liste. Une règle, ne jamais dévoiler qu'on est un régulateur, un seul résultat, tuer ou être tué. Quand le lancement de la régulation est annoncé sur les écrans de la ville, la population sait qu'elle peut être chassée et la peur s'installe. Donc là, on est quand même dans une dystopie à voir. J'aime beaucoup ce que propose Gaëlle, donc je vous donnerai donc mon avis à mon retour. Ensuite, j'aimerais lire une suite de saga que j'ai commencé il n'y a pas tellement longtemps. Rappelez-vous, j'ai lu Aranea, le secret de l'empereur, il n'y a pas tellement longtemps. Donc ici, j'ai envie de lire le tome 2, Aranea, le 9e livre d'Alexandre Murat aux éditions Fleuve Noir. Avril 1939, une expédition commanditée par Himmler se lance sur les traces d'un mystérieux livre au milieu des montagnes de l'Himalaya, mars 2021, Alex, professeur d'histoire des civilisations à Harvard et mari à la tête de son agence de sécurité privée, sont loin d'imaginer qu'ils vont devoir, contre leur volonté, mener la plus dangereuse de leurs quêtes et affronter un redoutable ennemi. Donc encore une fois, on va se retrouver dans une ambiance à la Da Vinci Code, à la mémoire dans la peau, mêlant histoire et quête échevelée. Donc, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et je pense que le tome 2 sera extrêmement prometteur également. Ensuite, j'ai envie de lire « Les monstres d'outre-terre, l'apprentie chasseuse » de David Moitet. C'est un roman de fantasy jeunesse que j'ai eu grâce à Annette Gallet. Furoncle pierreux, pas trop grand, à outre-terre, les monstres pullulent. Si certains sont plutôt inoffensifs, d'autres semble tout droit sorti d'un cauchemar. Sarah, 15 ans, est la fille du plus célèbre chasseur de monstres. Le jour où il disparaît, sa vie bascule. Elle, qui n'a jamais mis les pieds hors de la capitale, va devoir se lancer dans une folle aventure, direction Red Town, sur le chemin infesté de monstres.
J'ai déjà lu plusieurs romans de David Moitet. J'avais beaucoup aimé sa plume. Là, j'ai envie de tester sa plume sur un roman de fantasy jeunesse. Ensuite, j'ai envie de lire Roi Blanc de Juan Gomez Jurado. C'est le troisième tome de la saga avec Antonia Scott et John Gutiérrez. Rappelez-vous, j'avais surkiffé Reine Rouge et Louve Noire. Et là, on va se lancer dans le troisième tome. J'ai pas envie de lire les résumés. J'ai envie de me plonger complètement dans ce final de saga. J'espère très sincèrement qu'il sera à la hauteur de mes attentes et à la hauteur des deux premiers tomes. Ensuite, autre suite de saga, j'ai envie de lire Les Rites de l'eau de Eva Garcia Sanz des Urturi, toujours chez Fleuve Noir. Je pense très sincèrement que mes vacances vont être sponsorisées par Fleuve Noir. C'est le tome 2 de la saga initiée par le silence de la ville blanche que j'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans. On va dire il n'y a plus d'un an. Donc là, on est dans le Pays basque espagnol. Un tueur en série s'attaque aux femmes enceintes. Sympa. Comble de l'horreur, l'individu semble inspiré d'un rite ancestral consistant à brûler les victimes avant de les pendre par les pieds pour les immerger dans un chaudron datant de l'âge de bronze. Ça va être sympa à la plage, ce genre de lecture. L'affaire est aussitôt confiée à l'inspecteur et profiler Unai Lopez de Ayala di Kraken, que nous avions rencontré dans le tome 1. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être sympa, ça va être sympa. J'aime bien garder ce genre de livre un peu glauque pour les vacances. C'est comme ça, les gens s'imaginent au bord de la piscine ou à la plage que tu lis un truc gentillet, un truc feel good, très vacances. Non, je lis des trucs sur les tueurs en série. J'adore. Bref. Ensuite, j'aimerais bien lire La Meute d'Olivier Ball, qui est sorti tout récemment, fin avril. Donc là, on est encore dans un one-shot, hein, un peu comme Roche de sang. Février 2024, l'ange noir a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. À la sous-section de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller, qui de son côté enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés au corps affreusement lacéré. Deux affaires en apparence distinctes, en apparence seulement. Car bientôt, Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer la meute, franchir des épreuves initiatiques terrifiantes, gagner la confiance de l'étrange famille Mirval, qui règne en maître sur le château de Noirval. Ils devront frayer avec les loups pour éviter le grand cauchemar. Enfin, j'aimerais aussi lire Mort suspecte de Patricia Cornwell, la nouvelle enquête de Kay Scarpetta qui va paraître aux éditions JC Lattès. On va retrouver Kay Scarpetta qui doit abandonner ses autopsies pour enquêter sur des meurtres particulièrement violents. Elle débarque dans une région sauvage et découvre un corps flottant à la surface d'un lac et un autre au fond d'un puits de mine abandonné et les corps sont méconnaissables. Le couple allait être arrêté pour des activités de cybercriminalité et leur mort ne peut être une coïncidence. De toute sa carrière, Kerskapeta n'a jamais eu affaire à une telle barbarie. Il faut qu'elle trouve le meurtrier et comprenne ses motivations. Donc, vous le voyez, c'est une palle de vacances très thriller, très tueur en série, très trip et boyau et sang et sang. Alors, on n'est pas à l'abri, bien évidemment, que cette palle change au cours de mes envies pendant mes vacances. Parce que je suis comme ça, je prévois de lire un certain nombre de choses et je pars sur complètement autre chose après. En tout cas, je vais partir avec celui-ci. C'est un poche, donc ça va pas peser bien lourd dans la valoche. Il s'agit des pleins pouvoirs de David Baldacci aux éditions Talents Poche. Alors, c'est le premier thriller qu'a écrit David Baldacci, qui est un auteur de thriller
les plus vendus au monde. C'est un ancien avocat qui s'est spécialisé dans le système politique américain et les services de... Je disais donc, avant d'être coupée par mon téléphone m'annonçant que j'avais plus de mémoire, que ce roman, quand il est sorti, a été adapté quasiment à la suite de sa sortie par Clint Eastwood. Donc, je pense que je regarderai le film avec Clint Eastwood, on ne sait jamais, si j'arrive à mettre la main dessus. Et il est devenu immédiatement un best-seller international. Donc, de quoi ça parle, vous allez me dire. Donc, au début des années 90, Luther Whitney est passé maître dans l'art du cambriolage. Donc, une nuit, il va se lancer dans un cambriolage, comme il a l'habitude de faire. Mais c'est quand même un gros coup. Il va s'introduire dans une luxueuse demeure d'un milliardaire. Sauf que ça va se transformer en cauchemar. Il va assister à une scène complètement invraisemblable. Le président des États-Unis en personne se livre à des jeux sexuels hors de tout contrôle. La mort rôde dans la chambre à coucher du milliardaire, mais la garde rapprochée du président veille au grain, ou presque. En une poignée de secondes, Luther Whitney parvient à s'échapper de cette maison, mais il devient l'ennemi principal des services secrets. Entre trafic d'influence, manipulation et abus de pouvoir, armé de sa seule ingéniosité, il est propulsé dans une course-poursuite aussi improbable qu'explosive. Parviendra-t-il à blanchir son nom et à sauver sa vie? Donc je vais partir avec celui-ci. Il fait 607 pages. Je pense très sincèrement qu'il va me faire le voyage. Parce qu'on a quand même 3 heures de bus pour aller à Paris. Et ensuite, faut qu'on rallie l'aéroport d'Orly. Et ensuite, on a 2h45 de vol. Donc, je pense très sincèrement qu'il va me faire le voyage. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous accompagnera pendant les 15 jours où il n'y aura pas de vidéo. Donc, comme ça, vous saurez à peu près quelles seront mes lectures pendant mes vacances. N'hésitez pas à me dire si vous-même vous avez lu certains de ces romans. N'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés. Voilà, donc j'espère que vous allez passer de très bonnes semaines et que vous allez avoir de très très bonnes lectures. Moi, je vous dis à fin mai, hein, je vous donne rendez-vous fin mai pour me retrouver en vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles semaines, de très très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt en vidéo. Ciao !